Dans cette vidéo, on va voir les différents easter eggs que Google nous cache. On peut rechercher sur Google des mots et ça nous fait des petits secrets, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc le premier easter egg, more fish please, si on tape ça sur internet, genre c'est trop bizarre. Genre quand on clique dans recherche, ben ça tombe et ça fait en fait comme des poissons. En fait. C'est trop bizarre, frère. C'est bizarre. Le deuxième easter egg, quand on tape Thanos dans la barre de recherche, Thanos Snap, Google easter egg, quand on clique sur le gant de Thanos, à ce qui paraît, ça fait disparaître tout. Genre comme dans le film, si vous avez vu Infinity War, je crois que c'est celui-là. Oui, je crois. Ben voilà. Ben, on clique dessus, avec la petite musique là, ça fait extrêmement plaisir. J'ai cru que ça allait pas marcher là. Ah ouais, ça part. What? Wesh. J'ai cru que ça allait pas marcher, mais en fait ça a marché parfaitement. On peut voir tout disparaître là, tout quoi. Quand c'est un truc de fou. Le deuxième easter egg, quand on tape Batman sur Google, Batman easter egg, ou Batman tout court, et on clique sur la pendule là. Ouais. C'est stylé en vrai. Je savais même pas. Dire qu'il y a des gens qui ont codé des trucs. What? C'est incroyable, ouais. Et l'easter egg aussi qui est connu. En fait, quand vous connectez à Google et vous n'avez pas de connexion, ben vous pouvez. Il y a un dinosaure et quand vous appuyez sur espace, ben vous pouvez tout simplement jouer, quoi. Donc je pense que vous le connaissez. C'est un easter egg, c'est super connu. Hein. Tout le monde doit connaître. Je savais même pas qu'on pouvait prendre le. Je savais même pas qu'on pouvait prendre le truc d'anniversaire. C'est la première fois que je vois ça du tout. Jeu de dinosaure anniversaire. Ah, en fait, c'est le jeu du dinosaure quand il n'y a pas de connexion, mais version anniversaire, je savais même pas que ça existait. Donc voilà, on va arriver le plus loin possible si j'arrive. Sache, je savais qu'il y avait des cactus et des. Je sais plus comment ça s'appelle, les dinosaures qui volent. Ça, je savais, mais le truc pour anniversaire, je savais pas du tout. C'est ce jeu-là quand il n'y a pas de connexion. Je suis mort. Le cinquième easter egg, c'est Mandalorian, c'est la série Star Wars si vous connaissez. Et on clique, ah il y a un petit, le bébé Yoda, voilà. Bon, on clique dessus, à ce qu'il paraît, ça fait un truc. What? Tu cliques plusieurs fois et ça fait quoi? What? Ah ouais, ça fait des trucs bizarres, frère. En fait, avec la force, ben il défonce tout, quoi, en fait. Ouais, c'est sympa, quoi. Ceux qui connaissent pas, c'est sympa. Le sixième easter egg, c'est Zerg Rush. What? Ah, en fait, faut taper les ronds, en fait. Ouais, je sais pas c'est quoi, c'est trop bizarre. Ah, je crois qu'en fait, faut... Ouais! Je crois qu'il faut taper les ronds avant qu'ils mangent les barres de recherche, en fait, c'est ça. Mais vas-y, frère, je suis nul, moi, au jeu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça s'appelle Zerg Rush. Je connais même pas. C'est la première fois que je fais. Le septième easter egg... Ah oui, c'est... What? C'est un jeu des anciens, frère. Je sais même pas comment ça s'appelle, ce jeu. Je sais même pas comment ça s'appelle, ce jeu. Mais je me rappelle, genre, à l'ancienne. Genre, les anciens des anciens qui vont voir cette vidéo, ils vont dire... Ah oui, je me rappelle de ça, je jouais quand j'étais gosse. Ouais, ouais, c'était vraiment exceptionnel. Enfin bref, le son, il est atroce, le son. Le huitième easter egg, quand on marque Super Mario Bros, on clique sur le cube. Attends, on clique plusieurs fois. C'est juste ça, genre. Allez, arrête, il y a Mario qui sort, bon amour. Ah, il y a un autre son qui est apparu. Ça fait rien, je crois qu'il y avait Mario qui sortait. Mais peut-être qu'il fallait cliquer encore 10 fois plus longtemps, il y a peut-être Mario qui sort, mais franchement, il n'y a que un son. Donc voilà, je peux pas vous dire. Le 9e easter egg, c'est une fermeture éclair. Ça s'appelle Pull to End Up. What? What the fuck? Bah, ça a bugué, quoi. Je crois qu'il devrait en avoir encore une, mais ça a bugué. Voilà. Dixième easter egg, quand on marque Pac-Man sur Google, on peut jouer, quoi. Ouais, je savais même pas. C'est, donc c'est grave cool. Je vais essayer de faire la game, parce que je suis grave fort, moi, à Pac-Man. J'ai joué ça pendant toute ma vie, comme si j'avais 75 ans, frère. Demi-tour, hop. Hop, 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 hop. Nickel. Oui. Je clique en bas, gros, ça veut pas descendre, frère. Tu te fous de ma gueule, quoi, gros. Oh là là. De toute façon, j'étais baisé, gros. J'étais baisé, ben oui, logique. Le 11e easter egg, c'est T-Rex Run 3D. Wouah! Mais c'est incroyable. C'est 3D, en fait.
Je savais même pas que ça existait. C'est la première fois que je vois ça. Hein. No joke, hein. Incroyable. C'est le même jeu de dinosaures quand t'as pas de connexion, mais en 3D. C'est marrant, en vrai. Le 12e Easter egg, ça fait penser à Tetris. À Tetris, putain, je suis con. À Matrix. Incroyable. Moi, je sais même pas. Ouais. C'est incroyable, moi, je kiffe. Mama del papa, t'es. Ouais, ça. Ouais, comment ça tourne, frère? Ouais. Ah, je sens le vent là, vous sentez vous? Moi, je sens le vent là, regarde, gaga. Non, je déconne, c'est complètement fou. Je sens pas le vent, c'est complètement faux. Si je sentirais le vent, ce serait un truc de fou. Genre, je l'utiliserais tout le temps. Mais là, c'est faux. On n'est pas en 2072. On est en 2024, ça n'existe pas. Donc, faut arrêter de. Hein? Donc, faut arrêter quoi. Hein? Voilà. Ce mec qui a fait ça, quand même, il a créé un serveur pour polluer la planète, pour créer un ventilateur qui sert à rien. Enfin bref, c'était la mif. J'ai même pas parlé. Enfin bref, c'était la mifou. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Moi, ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres sites étranges sur internet, vous me le dites en commentaire. Moi, ça fait extrêmement plaisir. Moi, ok, mec. Donc voilà. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Moi, je vous aime. Je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde.